Donc, on poursuit cette interview pour Crocodile TV, la seule télé qui mord dans l'actualité. Donc, tu es une passionnée de la vache salaire, traite. C'est exact? Tout à fait exact. Tu es un peu l'égérie de la vache salaire prête. L'égérie, je ne sais pas, mais je la défends de toute mon âme et de tout mon cœur. D'accord. Donc, peux-tu nous présenter deux des trois animaux qui sont présents ici à Plot? Oui, bien sûr. Alors là, vous avez Cynthia, une vache salaire prête. C'est une très bonne laitière. Une très jolie vache avec de jolies cornes en forme de lyre, un bon gabarit, un bon squelette et ce qui est important pour nous, pas mal de lait. Ensuite à côté nous avons Dorian qui a un peu moins de lait, mais ça se voit parce qu'elle est beaucoup plus viandée, parce qu'il faut savoir qu'il est plus facile à une salaire allaitante, donc qui est toute l'année avec son veau, à faire prendre de la viande qu'à une salaire traite. Parce qu'une salaire traite, ben, on donne des granulés et elle met tout en fait sur le lait. D'accord. Ces deux vaches ont quel âge? Cynthia, 6 ans, Dorian, 5 ans. D'accord. À quelque chose près. Parce que... D'accord. Tu n'as pas les actes de naissance ici? Non, pas ici. Colombe est en cours de présentation. Oui. Peux-tu nous dire quelques mots sur elle, sur ses qualités? Alors Colombe est une vache exceptionnelle parce que déjà je pense que c'est la plus docile du troupeau. C'est une vache, vous pouvez en faire ce que vous voulez, jamais elle vous mettra un coup de pied. D'ailleurs c'est l'emblème de la salaire traite. La salaire traite elle est manipulée deux fois par jour, elle est attachée donc, matin et soir pour être traite avec son veau, d'où sa docilité. Et on peut en faire ce qu'on en veut, quoi, en fait. Elles sont des amours de vaches, quoi, en clair. Voilà. Donc, en résumé, la vache salaire traite est une excellente vache salaire. Quelles sont ses autres qualités en dehors de ses capacités de lactation? Des qualités, elle a que ça. Des défauts, elle n'en a pas, ça c'est sûr. En qualité, c'est une très bonne, c'est une très bonne maman, c'est une très bonne laitière, c'est une très bonne vache allaitante. Elle s'adapte à tous les environnements, elle est très traditionnelle, elle s'adapte à tous les milieux en fait. On peut en faire ce qu'on en veut, en pur, en croisement et à n'importe quel coin du monde, je pense. Bah écoute, Patricia, je te remercie. Tu avais déjà parlé devant une grande télévision nationale? Non? Si. Ah bon? Eh ben voilà. Donc, une autre forme d'apprentissage. Allez, merci. Je t'embrasse et puis je te souhaite bon courage pour l'avenir. Merci. Et puis à bientôt au sommet de l'élevage à Cournon. Ça a été?